Mesdames, Messieurs, bonjour. Du froid aujourd'hui sur une grande partie du pays et un peu plus de soleil attendu sur une grande moitié sud de la France. Alors ce matin, les gelées étaient bien présentes du sud-ouest au nord-est de la France, des valeurs qui sont descendues autour des moins 9,1 degrés du côté de Chamonix ou encore à Tarbes, moins 5 degrés. Alors nous avons toujours des conditions anticycloniques qui plaquent l'humidité et vous voyez ici les perturbations qui circulent essentiellement vers l'Europe centrale et qui nous concernent légèrement vers le nord-est de la France. Alors ce matin, les nuages bas étaient nombreux. Au cours de l'après-midi, on retrouvera encore ces nuages du Cotentin jusqu'à la plaine d'Alsace avec quelques ondées, pluie et neige mêlées ici dans le nord-est. Encore du vent, Mistral et Tramontane jusqu'à 80 km/h et quelques nuages qui traîneront vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore sur la Corse. Les températures pour votre après-midi, des valeurs 1 ou 2 degrés en dessous des moyennes de saison, 2 degrés à Strasbourg, c'est la minimale. Pour demain matin, nous allons retrouver la même configuration. Alors, déjà de belles éclaircies de la Bretagne jusqu'au bassin rennais. On aura quelques gouttes ici vers la Méditerranée, quelques bandes brouillard en matinée qui vont légèrement régresser au cours de l'après-midi. On aura également ce ciel couvert vers les frontières du nord-est avec là encore pluie et neige mêlée, un peu de vent mistral qui va souffler jusqu'à 60 km/h. Les températures du matin, des gelées quasi généralisées, moins 5 degrés du côté d'Aurillac, c'est la minimale, 1 degré seulement à Paris, 0 degré du côté de Strasbourg. Et dans l'après-midi, nous sommes 2 à 3 degrés cette fois-ci en dessous des moyennes de saison avec seulement 3 degrés à Besançon. On aura 6 degrés à Toulouse ainsi qu'à Lille et jusqu'à 12 degrés du côté de Nice. La suite, eh bien, on attend une hausse des températures tout de même. À partir de samedi, on va revenir dans des valeurs de saison avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation samedi par le nord-est qui va nous apporter un ciel nuageux avec quelques ondées essentiellement près des frontières, de la neige à très basse altitude sur le relief de l'est. Le vent va de nouveau se renforcer près de la Méditerranée jusqu'à 90 km/h, du soleil dans le sud ou encore sur la façade atlantique. Et cette perturbation, eh bien, elle va gagner le nord du pays avec beaucoup de grisailles, des pluies faibles à modérées essentiellement vers l'est avec toujours de la neige à très basse altitude, toujours du vent près de la Méditerranée jusqu'à 80 km/h et des températures de saison attendues sur tout le pays. À partir de lundi, c'est une nouvelle perturbation qui va arriver avec des pluies un petit peu plus actives. Mais tout de suite, c'est le journal Jean-Baptiste Marteau.